Alors, salut tout le monde, salut les gens. On s'était arrêté à une petite quête annexe d'une souris aux allures de Shakespeare. On reprend juste après sa sortie de maison. Je pense que j'avais rien oublié de ce côté-là, c'est bizarre. Non. Donc voilà, on va reprendre juste après la maison. Alors, chute des prix de manière première. Des prix réduits, profitons-en, c'est une affaire. Ouh, joli. Il y a un petit côté Fiverr? Non, c'est quoi? Avec les souris. Le coffre, il faut le sauver. Le marché manque de liquidité. Coffre. Sauver un coffre maintenant. Ils m'en demandent des choses, ces gens. Oh. Beau décor. Excusez-moi, comment se rendre tout là-haut? Vous rêvez des sommets? Quel optimisme, c'est beau. Mais sachez que nous autres sommes inquiets, car notre coffre est peut-être vide à l'heure qu'il est. Quelle horreur des rongeurs géants! Leur parler est une perte de temps. Ouais, sympa la sœur. À moins que vous ne souhaitez, je vous demande de partir. Bon, je croyais que c'était tout. Salutations! C'est bien le temple que vous visiez. J'ai une solution à vous proposer. Je vous accompagne si vous voulez bien. J'ai une affaire à négocier pour votre profit, mais aussi le mien. Après vous. Vers le promontoire. Si cette souris s'approche de moi, je l'écraserai entre mes doigts. Robert a rejoint le groupe. Robert. Ah. Pas l'ombre d'un pont, je suis sûre de moi. Oh, Magna, j'ai besoin de toi. Je ne vois personne ici. Moi non plus. Où es-tu, mon ami? Par le ciel? Filons d'ici! Fuyons, la montagne est en vie! Petit être, restez quelques instants. Que diriez-vous d'un rafraîchissement? J'ai de l'eau aussi pure que glacée. Merci, mais nous sommes pressés. Quelle charmante petite fille! Je suis Magna. Enchantée, mon nom est Aurora. Nous voulons atteindre le temple là-haut. C'est tout, il fallait le dire plus tôt. Pff, ça va vite, hein? Oh, voilà que j'ai le souffle coupé. J'ai tant besoin de repos. J'ai un problème au cœur, vous voyez? Hélas, la santé me fait défaut. Magna, à l'intérieur, il nous faut entrer. Et au coffre de Bolmus, accéder. Ah, on nous salue. Robert, tâche de ne pas en faire trop. Je vous souhaite bonne chance, à bientôt. Ça fait un peu Aladdin. Rentre dans la bouche du géant. Robert, merci de votre générosité. À vrai dire, mon aide était intéressée. Ah, comme je l'avais deviné. La reine de la nuit a enfermé nos finances. La porte du coffre, ouvrons-la sans tarder. Une promotion sera ma récompense. Ce monstre va-t-il nous manger? Robert, pourquoi vivez-vous sur un géant? Nous, Bolmus, sommes des marchands. Magna nous déplaçait au gré de nos envies. Et nous commencions vendant et achetant. Commercions, pardon. À un rythme de folie. Mais la nouvelle reine, Umbra, est arrivée. Et comme la nuit, Magna est tombée. Purifier son corps, cœur et terrasser les quatre araignées. Et Magna nous conduira jusqu'au temple ailé. Ok.
Elle en a fait des choses, cette reine. C'est quoi? Jamais encore je n'avais vu de métal de telle couleur. Sous cette forme, il n'y a point de valeur. Mais si l'on en fait des broches ou des spectres, des crochets, des boutons ou des bonbons pour enfants. Pour enfants? La progéniture des géants. Aussi travaillé, le métal voit sa valeur décuplée. Car il est un principe élémentaire. Tout objet peut être vendu tant qu'il est joli d'aspect. Sans cela, un bolmus ne sera jamais prospère. Il ne sera jamais pris au sérieux et ne pourra point ravir le cœur de sa bien-aimée. Robert, seriez-vous amoureux? Quelle idée! Je ne fais que pour exposer mon métier. Vas-y, plonge dedans tant que tu y es. Mais t'as fini, oui. Ah, de nouvelles araignées. Ah, attendez, parce que depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Mais... On va soigner un peu. Alors. Là. Ça, c'est bon. Ça, on soigne. Ah, c'est vrai, il y a un nouveau. Niveau 20. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? PV. Toi. Comme ça, je partage avec tout le monde. Voilà. Poudre de magie. Alors, Finn utilise la magie. Aurora aussi. Et la sœur. Voilà. Compétences. Alors, je vais améliorer ces... En taille. Ah mince, il m'en manque un. Bon, c'est pas grave. Là, j'améliore sa frappe. C'est quoi ça? Immunisation. Merci. Alors. Accalmie. Pétrification. Voilà, celui-là. Voilà. Le tombe de boutons. Alors, la petite souris. Qu'est-ce qu'elle fait de beau, elle? Donc... Voilà. Et il reste fine. Incendie. Ah, je pourrais améliorer les incendies. Il va me manquer. Bon, voilà, c'est tout. J'ai pas envie de me battre. Déjà qu'à la fin, on va se battre contre... Oh, regardez ce cœur. Je t'en prie, Aurora, ne m'utilise pas comme un tas. Les trois tonnes au-dessus d'aimer. J'ai pas suivi ce qu'ils ont dit en fait. Quand il fait mal au cœur de se séparer. On va déjà voir s'il y a autre chose. Bon, par là, il n'y a rien. Tududum. Je comprends pas. Ah, y a rien. Ah,
Ok. Oui, je sais, j'ai une sale manie. Ah, en fait, j'aurais peut-être pas dû passer par là. Le coffre, vite, allons. Aurora, non. Pitié, aidez-moi à libérer le coffre de son enchantement. Ah, pour vous obtenir de l'avancement? Non, oui, mon avenir en dépend. Soyez franc. Vous voulez la vérité? La voici. C'est pour Margaret que j'agis ainsi. Elle est d'une incomparable beauté, avec son pelage sombre et bariolé, sa peau douce et ses yeux que j'aime contempler. De son museau délicat à ses pattes coquettes, il n'est plus de jolie Bolmus que Margaret. Si nous reprenons le coffre aux ténèbres, à ne pas en douter, je deviendrai célèbre et recevrai une belle promotion. Margaret m'accordera alors son affection. Pour conquérir le cœur de ma bien-aimée, la combinaison du coffre, il faut percer. Bon, je crois que je suis allée un peu vite en besogne, mais bon, c'est pas grave. On viendra en haut plus tard. Robert a quitté le groupe. Ah, j'ai même pas fait de combat avec lui. C'est un ancien magasin. Ah, une petite minute, cela me semble bloqué. Loué soit Rambert, la combinaison perdue, il faut quoi? Bon. Bon, puisqu'il... À chacun ses soucis, m'a-t-on dit. Du temps, je n'en ai pas. Pardonnez-moi, je vous en prie. Mais notre famille nous attend, Nora et moi. Ah, si je m'en vais, ça va faire... Tant pis. Allez, hop. On va faire ça. Ah, d'accord. Plutôt facile finalement. Et voilà, la porte est ouverte. Pas mal pour une minuscule insecte. Je te l'accorde, tu t'es surpassé. Mais vite, entrons sans tarder. La fortune des Bolmus est enfin retrouvée. Je dois maintenant conquérir ma bien-aimée. Prenez quelques coffres si vous le souhaitez. Oh, regardez-moi tout cet or. Igniculus, non, nous n'avons nul droit sur ce trésor. Oh, si, quand même. Ah, cool, il revient. Alors, même si t'as dit non, c'est tout. Bon, bah allez. Ouais, on va retourner en haut. Une des araignées qui, de Magna, tourmente le cœur, mettant un terme à son odieux labeur. Bon. Allons-y. Action. Alors, par contre, là, c'est un peu difficile de dire à quoi elles sont sensibles. Vu que c'est des araignées, on va faire l'incendie, mais j'ai un doute. Hein.
Action. Alors déjà, on va les ralentir. Non, c'est pas du tout efficace. Ah zut. Éclair. Accélération. Toc. Ah, il m'empêche d'attaquer. Et en plus, il attache l'autre attaque. Action. Accélération. Bonus vitesse. Ah mince. Action. Accélération. Action. Ah zut. Allez, ralentis-moi tout ça. Ah, pas mal. Apparemment, les attaques au corps à corps, ça marche pas mal. Pas pour Fine, par contre. Allez, où ? Zut. J'ai plus la vitesse. Accélération, s'il te plaît. Typhon. Marc, non, même pas. Être sensible à la ou à l'eau quand même. Elle vit avec de la lave. Yes. Je peux pas te... On va soigner. Elle est magnifique.
Allez, tiens bon encore un petit peu. Il est paralysé. Non, 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 non. Un petit peu. Et c'est bon. Ah, je pourrais peut-être améliorer des... Ouh, il y en a une grosse là-bas. Voilà, la première toile disparue. Et maintenant, ici-bas, je suis perdu. Maudit. Émeraude poly. Non, il n'y a pas de chemin par là. Ah! Alors, je vais remonter en haut pour voir ce que ça dit. Dame, l'araignée, au bout de 3. 1, 2, 3. Alors, nous brûlerons toutes vos toiles. Oh, j'ai du mal. Je crois que je fatigue. Ah, cool. Non, par là, y a rien. Ouf. Ouh, salut toi. Non, je voulais l'empêcher. Ah, les boules. Ah, je crois qu'il est, il est insensible. Il était sensible à l'incendie, mais vu son environnement. Alors, on va faire accélération. Oui. Et toi, tu vas faire typhon contre elle. Je réessayerai incendie contre lui, mais ça m'étonnerait. Alors, alcalmie contre eux. Non. Typhon. Ah, il va trop vite. Action. Typhon. Wow, ça va vite. Alors toi. Donc on va voir si ça remarche. Non, c'est pas du tout le même. On va essayer typhon. Ah zut. Quel combat vous êtes, Robert? Quel combattant vous êtes, Robert? Ah oui, tiens, j'ai toujours pas pris. Avez-vous pris des leçons? Avez-vous déjà assisté à un rendez-vous d'affaires? Ceci n'est rien en comparaison. Ouais, il faut que je change avec lui. Tiens. Ah, tiens, en voilà une autre.
une araignée qui de magna glace, libérant vite son cœur de ses chaînes. Attends, il y a un coffre là-haut. Ah, je peux pas y aller. Alors, action. Il n'y a pas vraiment d'attaque efficace. Il n'y a plus qu'incendie si t'as amélioré. Alors on va changer, on va prendre le Robert. Tir de flèche, pluie de flèche, antidote, entrave, coup double. On va essayer coup double. Ah, je pensais qu'il allait attaquer de... Non, c'est tout. Bon, c'est même pas la peine d'y penser. Ça, c'est efficace, moi. Action. Donc, typhon. Tir de flèche. Raté. Y'a rien d'efficace contre elle. La magie, ça marche pas des masses. Ah, cool. Génial, elle est super cette attaque. J'ai pas ma chaîne, je peux pas l'utiliser. Courte. Je vais reprendre la sœur. Elle est pas mal, elle. Action. Alors, on va ralentir tout le monde. Parce qu'ils vont se calmer, là. Yeah, bien joué. Ah, zut. Action. Alchimie. Donc. Action. Ah, c'est pas vrai. Je peux pas les interrompre en même temps, quoi. Action. Allez, ralentis-les, s'il te plaît. Bien chaud là. Accélération pour lui. Action. Bah allez. Il faudrait peut-être que je te soigne. Allez, ça va le faire.
Allez, plus qu'une. Et voilà. Je sens que le dernier là, ça va pas être de la tarte. En voilà deux. Ces toiles me collent aux cheveux. Aïe. N'importe quoi. Je vais aller tellement vite que je fais même pas gaffe. Alors, la dernière toile, elle est vers où? Là, il y a des toiles. Okay. C'est pas derrière là. Si on suit l'étoile. J'étais déjà pas déjà... J'étais pas déjà passé par là. C'est vers là. Donc non 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 non, allons la pourfendre de ce pas. Je pense qu'avec eux deux ça ira très vite, ben j'espère. Allez, puits de comète. Alors, on va déjà tous les ralentir. Donc ça, c'est ralenti. Action, tir de flèche. Bon, vachement ralenti aussi. Action. Accélération sur elle. Tir de flèche. Génial. Action. Pétrification. Ah, elle attaque les trois. Ah, trop lente. Allez, on va essayer. Et voilà. Ok. Ok. Ok.
Le cœur de la montagne bat de toutes ses forces, mais l'ultime araignée est proche. Eh ben, l'ultime araignée sera pour la prochaine fois. Voilà. Comme ça, suspense. Allez les gens, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.